Et par lui, il est passé une transition pour les postes sur une forme de 300 mètres. C'est-à-dire qu'il s'est emparé du commandant pour sauter la première, juste devant Tabitha. Rentrer le centre de l'hippodrome. C'est Marco Vassou qui va parler pour le moment devant, avec Electribus devant un intellect. Tabitha. Chute de Marco Vassou. Ah, ils ont dirigé par son de l'hippodrome. C'est Alizette qui a repris bien sûr en main. Devant Tabitha. Au centre de l'hippodrome, Anisette a toujours les commandes devant Henri Elton, Tabitha. Et ensuite, Claudien qui ferme la marche. Pour reprendre le parcours à main gauche, Anisette a toujours l'avantage. Alors qu'il y a un concurrent qui se dérobe. Deux. Je crois que c'est une erreur de parcours. De plusieurs concurrents. D'Alizette. Il n'y a plus qu'un concurrent en course. Roy Elton avec Valentin Leclerc. Il passe la banquette tout seul. Les deux autres concurrents reprennent leur parcours à distance. Valentin est toujours détaché. Devant à distance, Klugel et Tabitha. Pour revenir au centre de l'hippodrome. Hamilton a toujours l'avantage, nettement détaché. Il est détaché au pied, ça n'est pas bien. On passe à le chapeau de gendarme. Hamilton a toujours l'avantage, seul détaché. Devant Klugel. Tabitha. Le trou du loup s'en rencontre pour le leader, nettement détaché de ses deux poursuivants. Pour aborder le haut d'hippodrome maintenant, Roy Elton mène toujours très détaché. Devant Klugel, Tabitha. Pas de problème pour Elton, qui veut toujours très détaché de Klugel et Tabitha. Valentin Leclerc aborde le dernier tournant seul en tête, nettement détaché de Léa Benoît et Léa David, qui vont jouer leur rôle pour la seconde place. Nous sommes à mi-tournant pour Roy Elton et Valentin Leclerc, qui mènent très détaché et qui abordent sereinement la dernière relais en tête. Et ça s'achève une victoire facile de Valentin Leclerc en celle sur Roy Elton. Félicite son collègue. Passage de la dernière relais. Il y aura lutte pour la deuxième place. Entre Klugel et Martina. Et Anne David qui vient prendre la deuxième place. Juste à l'air de nous sur le poteau.